Bonjour, bonjour Mbolo. Lors d'un direct sur sa chaîne Facebook, l'artiste Chanel fait appel à la jeunesse gabonaise concernant le nouveau vocabulaire utilisé par les jeunes gabonais. Je vous laisse écouter ses paroles. Ouais, avec tous les trucs qui... Ah. Comme d'habitude, je n'annonce jamais mes directs, j'apparais. Bonjour à la famille. Je me réveille à peine, donc du coup, excusez la basse. De toute façon, comme d'habitude, hein, j'apparais, je ne préviens pas mes directs. Et puis, ça fait longtemps. Parce que je suis tellement dépassée, je ne sais même pas quoi venir raconter sur la toile. Mais bon, là, quand même, j'ai décidé de venir parler. Wow! Les jeunes artistes là. Oh non. Vous êtes dans l'abus. D'abord, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que chez vous ça va. Moi, ça va. Je suis au Congo, comme j'avais annoncé sur ma page, voilà, je suis au Congo Brazza, j'avais un concert, ça s'est super bien passé. Le public brazzavillois, c'est vraiment un public génial, j'ai aimé. La prestation était magnifique, j'ai adoré. J'ai tellement adoré qu'ils ont demandé des chansons, c'était même pas prévu. Je les ai faites. C'était trop bien. Vraiment, Brazzaville. C'est vrai que je me fais rare pour une artiste. Mais vous savez, à chaque fois, je dis je vais essayer. Mais après, il y a des bails, je sais pas quoi dire. Mettre la caméra devant moi et puis raconter quoi, je sais pas. Pardon, faut peut-être que j'apprenne parce que vraiment je suis un peu larguée. Il y a des nouveaux sons, évidemment, je suis en studio. Et puis vous savez qu'il y a, l'album éclectique 2.0. Donc ça arrive, il y a des clips qu'on tourne, on travaille toujours. Mais bon, c'est vrai que sur les réseaux, je me fais trop, trop, trop rare. Mais je vous avoue que je ne sais pas quoi dire. Genre, je mets ma caméra devant moi et puis je vous raconte un truc, je sais pas. Peut-être mettre ma caméra et chanter. Oui. On va faire comme ça. Chanter. Donc, le public dira quoi faire. Pardon. On ne parle pas la bouche pleine, pardon. Mais j'aime trop les raisins. J'ai mis les nouveaux artistes là. Je veux pas les petits artistes gabonais là. Pourquoi vous donnez le travail aux autres comme ça? Sanjoum Joum, sa Vengele, sa Vuga, sa Mimbele, sa quoi? Oh! Mais le nouveau langage que vous commencez à mettre dans les chansons, nous, on ne les a pas... Ah! Je ne comprends même rien. C'est vrai, j'apprécie, j'aime bien, parce que je joue évidemment vos chansons, parce que je vous trouve super mélodieux. J'aime beaucoup, beaucoup l'oiseau rare, j'aime beaucoup la petite Emma. Il y a aussi une petite là qui vient de sortir, comment elle s'appelle là? Je pense qu'elle, c'est... Elle chante les oui. Mais mon Dieu, l'argot que vous utilisez à l'intérieur, là, à quel moment moi je vous nous donnez du travail, hein? Je vais chanter ça comment? Les jeunes artistes là,
L'argot que vous parlez là, mais vous aussi, bon, à quel moment, moi aussi, je vais maintenant, ça djoum, ça vengele, ça machin. J'aime bien, mais c'est compliqué. Hein, ça, c'est encore un vocabulaire à aller apprendre. On doit maintenant chanter comme ça aussi. En tout cas, bravo pour vous. Je trouve que. Je trouve ça joli, mais sincèrement, vous, hein, ça nous fatigue. Nous, quand même, on est d'une. On n'est pas vieille, mais on est d'une certaine génération. Donc, du coup, il y a des expressions, c'est compliqué, hein. J'étais obligée de demander, c'est quoi ça, vingalet? Peut-être que je vais mettre ça dans une de mes chansons, j'en sais rien, mais vraiment, vous donnez du travail aux gens, hein. Je laisserai le direct. Et les petits artistes là, pas les petits, les jeunes là. Quand je dis petit, c'est pas votre âge, hein? C'est pas par votre talent. Contactez-moi inbox, s'il vous plaît, pour me donner un peu toutes les significations des Njum Njum, Vengele, Vuga. Encore que les oui, quand même, je connais les oui, ça va. Mais vous avez de ces expressions, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut maintenant mettre dans les chansons. Ah! Oh non! Mentionne mon nom sur ton direct, la reine-mère. Shibani, attends. Ok, je vais faire ça pour toi. Shibani Barclay le Ghanéen. Ça va chérie, j'ai mentionné ton nom. Sidani Kambou, je veux être une artiste. C'est facile, tu vas au studio, tu poses, oui. Tu as mangé. Non, je mange que les trucs là. Je voulais juste les. Dans la nourriture, tu manges pas. Je vais manger après, je vais manger plus tard. Ok, bon, on monte là dans 10 minutes. Hein. Pour aller faire les soins, machin. Ok. Bah, attends, tu vas faire les soins. Moi, je vais bien envie de faire. Hammam et massage. D'accord, ne critique personne parce que je suis en direct. Aïe. Non, mais je parlais aux jeunes artistes là. Leur affaire des Njum Njum, Vengele, tout leur français qu'ils mettent maintenant là, leur argot là. Ah, ils nous donnent le travail. On fait comment? Ah. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, humblement, de me contacter. Et de me donner des explications, de m'expliquer un peu les mots là, comme ça, moi aussi je pourrais être à la page dans les chansons, au lieu de parler le grand français là, que vous n'écoutez plus. Donc mieux, je rentre aussi dans Sanjoum Savengele. Big up à l'oiseau rare, parce que je pense que c'est sa chanson. On reste en suspension. On reste en suspension, mon frère. Bravo, mon chéri, bravo. Ma voix ne sort pas comment? Vous ne m'entendez pas? Ça, voilà. Sandangwa, ça fa cop. Ayasabizango. Ça veut dire quoi? Sandangwa, ça fa cop. Ayasabizango. Ça veut dire quoi? En tout cas, moi, je fais ce direct. Je viens humblement. Contactez-moi surtout sur, pas par Facebook, soit sur TikTok, vous m'écrivez, ou sur Instagram, pour essayer de me donner des cours, parce que sincèrement, je vous avoue, je sais pas, interprétation dans le Yuma. Mais qu'est-ce que. Contactez-moi afin que je sois à la page et que dans mes prochaines chansons, moi aussi, ça va d'angwa et ça va fakop et aya ça va bizango, je sais pas. Mais je dois me mettre à la mode. Quoi? C'est encore quoi? Sangoum-goum. Non, c'est sanjoum-joum. Sanjoum-joum. C'est pas sangoum-goum, c'est sanjoum-joum.
Attends. Non, tac, 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 bouh, ça quand même, non, ça, c'est pas une expression. C'est la bordée, bordée. Oui, ça aussi, je connais. Vous voyez, j'écoute, j'écoute, j'écoute. Moi aussi, je vais en studio et je travaille, tu vois, histoire de pas être, voilà, démodée. Mais je peux pas utiliser des mots que je ne connais pas. Donc, s'il vous plaît, vraiment humblement, je laisse le direct sur la page. Contactez-moi. Contactez-moi et donnez-moi des cours, s'il vous plaît, pour que je fasse une chanson qui soit aussi à la mode. Quoi, tu veux déjà prendre le style? Non, c'est pas prendre le style, c'est apprendre. Apprendre aussi les nouveaux mots, tu vois, genre, voilà.